La formation de licence pro gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire est une licence, donc un bac plus 3, qui permet de former des personnes à la gestion, au management des entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire des associations, des coopératives, des mutuelles qui ont besoin de ressources humaines pour développer leur activité. Les étudiants qui intègrent la licence peuvent être des étudiants en formation initiale, donc des étudiants qui ont déjà obtenu un BTS, un DUT, mais également des étudiants de l'université qui sont en licence 2 et qui souhaitent compléter leur parcours avec une licence professionnelle. Elle s'adresse également à des formations continues, donc des personnes qui sont aujourd'hui en poste et qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences, ainsi que des demandeurs d'emploi. La formation en licence pro est une formation pluridisciplinaire. Elle permet d'acquérir des compétences dans le domaine de la ressource humaine, dans le domaine de la gestion, dans le domaine de la communication, tout ce qui permet aujourd'hui une entreprise d'être performante. Donc on a tout à fait affaire aux besoins et on répond aux besoins des entreprises de l'économie sociale et solidaire. La licence pro permet de s'orienter vers des postes d'assistant de gestion, d'assistant de direction, également de chef de projet, de directeur adjoint, des fonctions qui permettent aux entreprises de l'économie sociale et solidaire de se développer. J'ai décidé d'intégrer la formation GOES car je connaissais déjà des personnes qui avaient réalisé cette licence donc l'année dernière et ils ont pu me parler un petit peu des matières à l'intérieur, notamment des matières de projet tutoré. Il y avait aussi beaucoup de cours axés sur les associations et moi j'ai un parcours associatif assez large. J'ai été membre de bureau dans différentes associations. C'est pourquoi j'ai décidé d'intégrer la formation et je pense qu'elle peut m'apporter beaucoup, notamment en termes d'organisation. Le rythme en alternance, il est assez fort et ça prépare au monde de l'entreprise, au monde professionnel. Ayant fait à peu près la moitié de l'année, je peux dire que cette formation, elle est intéressante parce qu'on rencontre beaucoup de professionnels et donc c'était ma crainte de rentrer dans un milieu très universitaire et un peu loin des réalités du travail. Et c'est pas le cas du tout, la plupart sont très professionnels et ont un regard du coup très pratique. Donc ce qu'on voit, c'est des choses qu'on peut déjà connaître, mais aussi découvrir et qui donnent du sens aussi à des pratiques professionnelles, à des réalités aussi dans les difficultés, les limites que peuvent rencontrer les associations.